Bonjour, je suis Samuel Soucy, cofondateur de la start-up Greg. Radio Sport, Radio Sport. On est une solution d'intelligence artificielle qui optimise la performance sportive des sportifs d'endurance grâce à l'exploitation de toutes leurs données collectées via leur compteur de vélo, montre connectée, bracelet connecté. Et l'idée, c'est de leur permettre d'optimiser leur performance et de valoriser toutes ces données pour maximiser tout leur potentiel et faire en sorte qu'ils soient au maximum de leur performance en tout instant. L'idée est venue, en fait, on est trois associés, tous passionnés de sport et d'intelligence artificielle, de données. Et on s'est vraiment rendu compte à quel point ces données sont très peu valorisées, même au plus haut niveau, que ce soit dans les équipes pro cyclistes qui aujourd'hui sont nos clientes, où ils avaient très peu de solutions pour exploiter ces données-là. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on mette à profit nos compétences techniques et sportives pour permettre d'apporter de la valeur dans ce domaine-là. La Sporttech, enfin adhérer à la Sporttech, c'est pour nous un merveilleux moyen d'être dans cet écosystème du sport et de la tech français. Ça nous permet de faire des rencontres, de participer à des événements, de participer à VivaTech comme ici. Ce qui pour nous est hyper important d'être visible aussi au sein d'une communauté qui est crédible dans le milieu du sport, mais pas que, mais aussi en dehors. Pour nous, c'est le lancement de notre produit auprès du grand public, puisque jusqu'à maintenant, on proposait notre solution uniquement à des équipes pro-cyclistes du Tour de France pour crédibiliser la technologie et itérer sur le produit et la technologie. Maintenant que c'est chose faite et que notre produit est presque prêt, on va le déployer sur le grand public et permettre à tout un chacun, amateur jusqu'au professionnel, de profiter de cette technologie et de s'entraîner comme les meilleurs sportifs d'élite mondiale. Radio Sport, Radio Sport.